Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors pour la suite de notre aventure sur XCOM. Donc hop, c'est Lors d'une parti. réunion d'urgence, le conseil urbain a voté à 5 voix contre 4 pour un couvre-feu général. Le conseiller Parata a parlé pour la majorité. Ces mesures extrêmes ne sont pas fondées. La mort de la mère Nightingale est une tragédie, mais boucler la ville par simple peur est contraire aux principes pour lesquels elle se battait. La police locale reste en alerte dans toute la cité 31. Le commissaire Malouf a fait la déclaration suivante. Tous nos agents regrettent la mort de la mère Nightingale. Mais rassurez-vous, nous traînerons les responsables devant la justice. Vous serez informé de la suite des événements. C'est Liodash en direct pour la chaîne 37. Okay. Bienvenue dans la cité 31. Sous l'occupation d'Advent, la ville était une forteresse abritant un astroport très actif. 5 ans après la victoire d'XCOM, elle abrite des extraterrestres, des hybrides et des humains. Les nouvelles industries, le gouvernement indépendant et l'agriculture locale subviennent aux besoins de cette population disparate. Contre toute attente, la ville a prospéré après la guerre. Elle n'a subi aucune attaque de représailles. Jusqu'à ce soir. Nous ne le savons pas. Pas encore. Mais nous pouvons le découvrir. La police souhaite que nous l'aidions à chercher des preuves au mémorial. Elle a perdu de bons agents aujourd'hui. Faites ce qu'on vous demande et tâchez d'en savoir un peu plus. Ok. Donc, carte de la cité 31. Hop. Là, il est. Donc, ça, c'est la carte de la ville avec les différentes zones là. Quartier, on va dire. Du coup, on part sur scène là. En séquence, vous voyez le transport. Ok. Oui. Continuez. Votre collaboration avec la police nous a ouvert quelques portes. Voilà ce que nous savons. C'est une bombe plasmique qui a tué la mère. Les insurgés n'avaient pas le matériel nécessaire pour la fabriquer. Quelqu'un d'autre les aurait aidés? Probablement. Il y a 3 groupes dans la cité 31 qui peuvent disposer de ce genre de matériel. D'accord. En fait, on choisit l'un des 3 groupes. Et je suppose que dès qu'on a fini avec eux, on va faire cela. Et dès que c'est fini, on fait cela, etc. On va faire les phénix gris. Le phénix gris. Un groupe de pillards composé principalement de Goliaths. Ils opèrent dans la cité. Ils se sont récemment équipés d'un armement totalement interdit. Ce qui les place en ligne de mire. Directrice, ce sont des criminels locaux. Ça ne dépend pas plutôt de la police? Si. L'agence de réhabilitation soutient les autorités locales. Mais nous devons aussi récupérer les matériaux dangereux. Avant qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Chacun de ces groupes pourrait être mouillé jusqu'au cou. Et maintenant? Concentrez-vous sur un seul groupe. Enquêtez, mettez fin à leurs opérations et neutralisez-les. Et on cherche des liens éventuels avec la mort de la mère. Dans tous les cas, une dangereuse organisation opère dans la ville. Exactement. La ville réclame justice pour la mère Nightingale. Et nous allons l'aider à l'obtenir. Alors la préparation, alors résoudre les enquêtes. Les enquêtes se déroulent en 3 étapes. La préparation, les opérations et l'élimination. Ok. D'accord. Général nous a envoyé un assemblage. Avec les bons schémas, on peut construire n'importe quoi. Du moins, on pourrait avec la dernière version. Ce que vous voyez là est le modèle 2038, très capricieux. Il faudra du temps pour tester nos schémas. Mais une fois que nous les aurons, nous serons prêts. D'accord. Alors, en fait, c'est ici qu'on améliore nos armes.
10 en électricité et 2. Est-ce que ce serait pas 2 tours par hasard? Je sais pas. Bon, on va faire ça, on va suivre. Nouvelle recrue. L'armurerie vous permet de gérer vos agents, donc l'équipement, capacité des agents, biographie de l'agent, teinte du planage. Ok. La directrice a convaincu le conseil urbain que nous étions trop peu nombreux pour être efficaces. Nous pouvons donc accueillir plus d'agents dans la cité 31. Pas encore toutes les squads, mais c'est déjà ça. Ok, bon, on va prendre celui-là, vu qu'on est quand même sur un un groupe de pillards, donc je pense que la force brute, ce sera pas mal. Donc on va prendre lui. Whisper, on a un problème. Axiom, bienvenue. Quel est le problème? J'ai remarqué que quelqu'un avait pris le plus gros casier. Ouais, c'est moi. Je savais que tu viendrais, je l'ai pris pour que personne d'autre ne puisse le faire. T'inquiète pas, je vais pousser mes affaires. C'est ça le problème. Je l'ai déjà fait, et pas en douceur. T'as pas vu le message? Seulement après. Je remplacerai ce que je pourrais. D'accord. Ok. Là. Notre bureau local temporaire contient tout ce qu'il faut. Armes, communications et munitions. Pour tout le reste, il faut nous ravitailler. Tant que le budget de l'escouade le permet, tout ira bien. Ok, c'est bon, là où on peut acheter du matériel. Un bon prix pour des androïdes de combat. Je sais. Tout le monde les déteste. Alors, carte d'accès, ça peut toujours servir. Coûte 50. Medikit, grenade fumigène, munitions contrastantes. Je pense que je vais prendre les deux. Une grenade flash et un médic. On va prendre les deux. Voilà, comme ça on est bon. D'accord. Ah, si je mets lui, ça fait un tour en plus. Ok. Mais attends, je vais peut-être changer, moi. Alors, c'est War Murray. Tuer 6, mission 1, une mission où il en a tué 5, il en a tué 3. Il en a tué 2, et lui, bah, il a fait rien. On peut pas le mettre à la place. Oui.
vu qu'on va attaquer les autres, donc il me faut des gros bras. Voilà, comme ça c'est bon. Donc, amasse. Ah bah ils sont là. Vu qu'on va s'attaquer à des gros bras. Ah oui, et puis attends, c'est où? C'est... Je sais plus où c'est. Ça doit être là, non? Ah, équipement, voilà. Carte d'accès. Toi, tu vas mettre le médic. Et toi... Tu en as de flash. Ou alors lui, grenade flash. Et vu que toi t'es une brutale. Mais j'ai rien. Ok, de toute façon il me fout de l'argent. Donc, hop, du coup on retourne là. Et ben on est parti. $40 qu'on gagne. Bon bah hop, c'est parti. Imaginons qu'une force hostile dispose d'un appareil dangereux dont la destruction pourrait être néfaste à vous et à d'autres. Dans ce cas, la finesse est la meilleure option. Approchez de l'appareil et désactivez-le comme à l'entraînement. Non, lui, là, le truc là, je vais peut-être mettre lui. Non, tu vas enlever la grenade flash. C'est toi que je vais mettre la grenade flash. Hop, merci. Récemment, le Phénix Gris s'est battu contre des agresseurs inconnus à cet endroit. Après la fusillade, le Phénix Gris a verrouillé tout le bloc d'immeubles. Tu veux dire que notre arrivée est... vitale ? Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir t'expliquer l'humour ? Parce que tu es très... instructif ? Qu'on m'achève là, tout de suite. Ok, on est parti pour le mode infiltration. Ok, bah il y a tout le monde qui est là. Alors, le bouclier avant. Le brut en deuxième. Puis après les autres. Le médic toujours en dernier. Et en plus, il y a juste une porte. Allez, hop, c'est parti. On s'infiltre. Ah, les serpents. Portée de l'arme, surprise, coup, ok. Tout le dernier. Les autres, ils sont comment? Ils ont un abri partiel. Un abri partiel. Il y a un abri partiel, ouais. De toute façon, toi, t'es mort. Ah, il est toujours là. Ah, mince, il est pas mort. Bah, du coup, je vais t'achever, hein. Il reste plus que ça de points de vie. Donc tir d'infiltration. Ok. Ah non. Donc, toi t'es là. Ah non. Toi tu vas te mettre ici. Lui il est dead. Lui, il est dead, et on a ça. Toi, tu vas rester là, mais toi, tu... Non, il va falloir que je... Mais toi, tu vas... T'es quoi? Chiriboum, c'est ça? Légionnaire, c'est qui? Ah, c'est celui qui est là. Couleuvre qui est là. Et le légionnaire qui est là. Donc, il ne reste plus que 3 points de vie.
Donc Cheriboom. Cheriboom, mets-toi là. Ou reste là. Reste là et passe en tir d'arme, je sais que je pourrais pas avoir. Parce qu'il y a là les abris. Si je mets en vigilante. Ici. J'ouvre l'œil. Premier qui bouge, il se fait. Ça nous laisse des options. Ah oui, c'est barre, d'accord. Wow. Ah bon, on a une boue de tous. Alors. Mais puis quoi, risque de sombrer dans la rage. D'accord, on va faire un peu attention. Mais t'as la grenade flash. Comme ça, tu vas là et... Bam. Tu le... Ici. Je balance une flash. Ça, c'est une belle diversion. Lui, il est désorienté. Et tu vas maîtriser. Oups. Tu vas maîtriser. Oui. Plus il est désorienté, donc il est complètement out. J'ai maté la cible. Voilà. Ah, ça va couler à votre arrière. Aïe. T'inquiète, tu vas... Reviens ici, toi. Toi, tu vas aller là. Tu vas rester en vigilance aussi, ici. Ça a détruit le petit rouge. Je passe en vigilance. T'énerve pas. Voilà. Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller ici. Pour essayer que lui puisse partir. S'il veut. Et toi, bah toi, un petit smash ici. Hein. J'ai envie de savoir ce que ça fait. D'accord. Voilà. Fin du tour. Ça a été rapide. Je détecte une grosse source d'Ellerium près de vous. Impossible de déterminer sa position. Il y a un bar à ramen derrière. L'Ellerium est peut-être leur ingrédient secret. Ok, on est reparti pour main d'infiltration. Donc on a le mur et on a la porte principale. Alors le mur, on va prendre lui, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà. La porte principale, elle est là. La porte principale, on va prendre lui. Et là, on va prendre... Bah, pff, que ce soit l'un des deux, c'est pas grave. On va prendre là et on va prendre là. On est parti. J'ouvre un passage. Suivez-moi. Abri partiel. Alors, y en a, est-ce qu'il y en a un qui fait 100% ou pas là ? C'est pas mal. Non. Je vais te mettre à couvert. Toi. Mais quand même à 40%. Je sais pas si je lui en mets une ou pas. Surpris. Un tir d'infiltration. Loupé. J'aurais dû me mettre. C'est pas grave. Les partiels. Bon angle. Couverture complète. Non. Ah bah lui, abri partiel, ouais, et là t'as abri partiel. Mets-toi à couvert, parce que là je peux pas faire grand chose. Toi t'es comme ça, couverture complète, abri partiel. Mince,
suis un peu trompé. C'est pas grave. Ok. Il y en a un qui est là. Ok. Toi. Ah non, c'est à qui? Ah si, c'est à moi. Alors, pas faire grand chose ici. Est-ce que tu peux l'avoir? Non, tu peux pas l'avoir. Lui. Il y a une couverture complète, non? Mais tu vas rester en vigilant, comme ça le premier qui passe. Je vais essayer de pas viser le civil. Comme ça, lui il bouge, je pense qu'il s'en prend une. Ce que je disais. J'ai mon bouclier, heureusement. Toi, est-ce que je peux faire un truc style ça? Tir d'arme. Un tir d'arme, elle a quand même une couverture complète. L'autre, bah, je peux pas l'avoir en fait. Puis elle civile, donc c'est une. On va le laisser en vigilance. Je sens que... Deux fois il rate. Bon, toi... Ça c'est sûr. T'es juste là. Ça, c'est fait. Juste en face de toi en plus. Ça, je me mets à l'abri et je le flingue. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je me mets à l'abri. Je bouge, couvrez-moi. Et je lui en ai une. Adios. Deuxième légionnaire qui est là. Partez ou mourrez. Aïe. Ah bah toi tu peux lui en mettre une. Je crois. Non? Ou alors il est toujours. Il est toujours truc. Mais, je pense que bien vu que je me suis pris dans la gueule, je vais aller me cacher. Bon, je vais bouger. Et je vais rester en vigilance. Ça, dès que tu bouges, tu t'en prends. Je reste sur mes gardes. Les deux là, ils vont rester. Prépare-toi à toute éventualité. Voilà. Ça, ça c'était fait. Toi, t'es ici. Hop. Viens là. La même là. Couvrez-moi. Mais où? Ah, je vois. Lui, il est là. Et lui, il est là. Mets-toi là. Comme ça, l'autre, le civil, il peut se barrer. Partez, restez pas ici. Voilà. Et on va... je vais te mettre à couvert ici. Je vais bouger. Ça fait mal. Je peux pas l'avoir ici. Ah, je peux pas l'avoir d'ici. Alors, c'est ce que j'essaie de le maîtriser. On va essayer de le maîtriser. On va tester. On va tenter. J'espère que tu vas pas m'attaquer. Aïe. Bon, j'ai loupé. Vous êtes pas censé riposter. Bon, j'ai loupé. Oula. Ça va faire mal. Ok.
crois que j'en ai une qui est blessée. Du coup, toi, viens vite fait ici. Toi, t'es là. Viens vite fait là. Toi, t'es là. Bah, toi, tu vas le... Normalement, il devrait faire mal, là. Ah, il lui reste encore un. Vous devez rester à terre, en principe. Bon, bah... Allez, c'était sûr. Toi. J'y vais. Alors. T'es juste devant moi, toi. C'est bon, tu vas mourir. Toi, viens ici. Vite fait. J'ai trouvé une meilleure position. Tiens l'arme. Non. Non. Mais tu vas mettre en vigilance. Ça, s'il bouge, lui. Toi. Stabilisation, ça sera l'autre qui va stabiliser. Tiens l'arme. T'es juste là. Non, tu vas te mettre en vigilance. Je lui, couvre ma zone. Je pense qu'il va avoir mal. Et toi, tu vas le tuer. Salut. Ok. T'as rien, perd toujours son bruit, je sais. Ouh, il y a un critique. Ah, bizarre, j'aurais pensé que ça... Ouais. Ah, mais là, comme il y a un problème avec le truc là... Donc tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Tu fais headshot. Bon, apparemment non. Stabilisation 2. Alors attends, je vois pas. Tiens, toi tu reviens ici. Ça va faire mal. Je change de position. Non. J'y vais. Adieu. Bon, j'ai un peu cafouillé, je l'avoue. Oh, je détecte un énorme noyau d'Ellerium dans la pièce suivante. Sa stabilité se dégrade. Très vite. Sécurisez et contenez ce noyau avant qu'il réduise le bloc d'immeuble en cendres. Surveillez vos tirs. Je veux voir tout le monde revenir en un seul morceau. Eh, c'est parti. Ah, du coup, on en a perdu. Porte principale. Donc, blessure de l'agent probable. Contre explosive, tous les ennemis sont non agressifs, gardent cette entrée sans surprise, arrière-garde, blindage 1 jusqu'à la fin de l'affrontement pour la dernière unité entrée par ce point. Ok. Ah mince, il m'en fouille. Bon, c'est pas grave. Donc on va aller à... Allez, Cherubim, il n'en a plus. Dommage. Il
Là. Là. Non. Retirer. C'est lui. Lui. Et lui. Et il y a un petit bug là. C'est pas grave. Et du coup, j'ai perdu un agent. Dommage. Enfin, un agent qui est à terre, qui est blessé. Restez derrière moi. Ouais, tu le. Tue-le. On va s'en aller. Et toi, tue-le. Je vais y aller. J'ai la cible en visuel. Arrêtez-moi ça. Ah, il y a lui, qui est juste là. Est-ce qu'on peut l'avoir? Tiens l'arme. Aïe. Ah, j'ai encore perdu un deuxième. J'espère que je vais pas perdre la mission là. Là, t'es mort. Tu vas aller directement là. Ça t'occupe de lui. Toi, tu vas te mettre directement à cacher. Parce que là. Pas tout ça, mais. Même là. Je bouge. Je me prépare à bouger. Je serai bientôt à sec. Je passais par là. Hop. Tu vas là. Parfait. Ne restez pas ici. Je suis presque à sec. Il est où le prêteur sur gage? Recharge. Arme rechargée. Ah.
Hein. Ne les laissez pas s'approcher de vous. Ok, bon, c'était le boss final. Bon, bah toi... Vas-y. Bon, elle est morte. Agent à terre. Tu vas aller là. Et tu vas t'occuper de lui. Voilà. Bon, franchement, on va pas applaudir, hein. J'ai un peu merdé, mais bon, c'est pas grave. Bon, on a récupéré le noyau d'hélium. Donc on a sauvé les civils, on a capturé un ennemi, on a tué 14. Ben, là, qui sont blessés. Évaluation correcte, oui. Bah, ça ne mérite rien, ça ne mérite pas un A+. Alors. Assemblage terminé. Ok, continuez. Le phénix gris recherche une grosse quantité d'hélérium. Pourquoi ont-ils besoin d'une telle puissance? Avec de l'hélérium, ils pourraient raffiner un explosif assez puissant pour tuer la mère Nightingale. Le phénix gris a les moyens. Découvrez s'ils avaient aussi un motif. Ok. Tac, 2 mars, on sait une chose, il ne faut pas qu'il s'approche, ok, 2 mars. Continuez. Alors. Des veillées spontanées ont été organisées en l'honneur de la mère Nightingale, dont la mort récente a ébranlé la cité 31. Des milliers de citoyens ont voulu rendre un dernier hommage à la première mère librement élue de notre ville. L'un des participants a déclaré... Elle avait tout compris. Elle ne voulait pas seulement améliorer ma vie et celle de mes proches, hybrides, extraterrestres, humains. Elle faisait de son mieux pour nous tous. Le conseil urbain a unanimement voté pour organiser des élections avant la fin du mois. Le conseiller Parata a fait cette déclaration. La mère Nightingale a dit un jour « Gouverner ne nécessite pas l'approbation populaire, mais le consentement du peuple. » Chaîne 37, un reportage de Célio Dash. Ok, alors... Avant, nouvel androïde. Ah, ça c'est bien ça. C'est-à-dire que si un des agents est à terre, c'est lui qui peut prendre la place. Ça, c'est pas mal. Équipement. Pas de truc. Santé 8, mobilité 10. Ok, ok, ok. Ça c'est bon, on a au moins un androïde. Voilà, cicatrice de l'agent, c'est quoi? Validé. Une cicatrice qui fait le moral, qui baisse le moral de l'agent. Moi, c'est bizarre. Normalement, ça aurait donné plus d'impact. Ça veut dire qu'il a fait une guerre. Ça aurait lui donné un petit coup de boost. Mais bon. À la capacité d'agent. Bon, il peut pas toujours évoluer encore. Apathie. Ok. Je peux toujours pas les level up. Dommage. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Opération potentielle. Assemblage terminé.
Ok, donc on va faire vite fait un petit assemblage. Ok, 25 et 1. Deuxième. Non, bah non, pas besoin. On va pas s'emmerder. J'en ai un. Personnel requis. Droïde modulaire. Les armes modulaires, peut-être pas pour le moment. Je pense que plutôt c'est le blindage. Parce que comme on a vu, ça fait un peu mal. Merde. Donc là on est là. Et personnel Android. Changer. Retour. Du coup ça fait quoi si je mets... Ah non. Désaffecté, ouais. Et je peux pas mettre encore l'autre. D'accord. Pourquoi? Je sais pas. Mais non, c'est pas ça que je voulais. Armurerie. Ok. Assemblage. Non, bah on va laisser... On va laisser là. Hop. Sur lui. Ok. Et après j'ai une opération spéciale. D'accord. Bon, bah on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. J'ai vu que c'était bien tactique quand même. Hein. J'ai un peu galéré. Donc voilà. Donc faut bien choisir ses agents, il faut bien choisir ses armes. Donc voir qu'est-ce que je pourrais acheter comme arme là. Bon, c'était là. 150, ok. Médic, j'en avais un je crois, je sais plus. L'inventaire, qu'est-ce qu'on a? Non. On faut un médic encore. C'est 30 et 50. Ouais, on va laisser ça. Je vais juste reprendre peut-être un deuxième médic à emmener chez quelqu'un d'autre. Comme ça, ça c'est fait. Voilà. Comme ça, on s'arrête là. Et pour le prochain épisode, on partira sur l'opération spéciale. Donc je suppose que c'est une opération secondaire. Donc tu aurais les opérations prioritaires qui sont là. Et du coup... et l'opération spéciale. Mais l'opération spéciale, on verra ça après. Ouais, je pense que c'est... Ah non, opération spéciale, c'est je pense à envoyer un agent. Je sais pas. Bah, de toute façon, on va s'arrêter là. Hein, et... les opérations pour consulter les opérations disponibles. Attends, ouais. J'autorise les squads chimères à lancer des opérations spéciales. Des opérations spéciales. Certaines opérations rapportent des ressources utiles à l'escouade. Essayez de ne pas manquer ces opportunités. D'accord, validé. Accueil chez un personnel des personnes et les entreprises fortunées d'apporter un financement à un court terme en crise de période.
Récompense, on gagne 85 de crédit. Persuader des personnes, on va faire ça. Ouais, Virgin. Commencez. Opération en cours. Voilà. Et du coup, bah, il me manque un bonhomme. Ok. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, on va s'arrêter là hein, pour aujourd'hui. Moi, je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.